Et c'est une terre à partir de laquelle partira, je pense, un certain nombre de combats pour le peuple noir dans sa globalité. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aussi. Nous avons besoin de communier avec les nôtres. Nous sommes là aussi pour parler d'un certain nombre de sujets qui fâchent, mais qui vont, je pense, avoir une résonance dans le monde noir de manière générale. Tu n'as pas été gêné pour voyager, non? Ça a aidé? Le voyage n'a pas été simple, on a eu quelques petites turbulences, mais comme toujours, hein, comme disent les ancêtres, à chaque démarche noble, il faut toujours qu'il y ait des épreuves initiatiques, et donc il y a eu quelques petites déstabilisations, mais on est arrivé sur place. On est là pour communier avec les nôtres, on est là pour parler, comme je dis, de certains sujets qui fâchent, et les choses qui doivent se faire, se feront. Voilà. Merci Kémy, à plus tard. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Donc voilà, il y a aussi Jean Patinier, donc on va parler de l'eau. Je ne sais pas, bien présent, mais il va donc il va espérer que les messages qui viennent passer, donc si vous êtes comme vous, mais aussi d'autres côté, alors les mondes arrangent vous. Merci infiniment. Voilà, Kémy. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'honneur, beaucoup de joie et le sens aussi des responsabilités parce que comme vous vous en doutez, nous ne sommes pas venus ici pour les vacances, nous sommes venus ici pour communier avec notre peuple et nous sommes venus aussi pour parler d'un certain nombre de sujets qui fâchent, qui ne fâcheront pas notre peuple mais qui fâcheront ceux qui marchent sur le dos de notre peuple. Quels sont-ils? Nous en parlerons lors du séjour, mais je pense que quiconque doté de raison sait exactement de quoi je parle. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Nous luttons contre le néocolonialisme qui touche notre peuple partout où il est installé. Et il n'y a pas besoin de faire Matsup ou Matspé pour savoir qu'en Guadeloupe aussi, notre peuple malheureusement subit les affres du colonialisme d'une façon ou d'une autre. Quand nous sommes au 21e siècle et qu'on apprend que la chlordécone, par exemple, est usitée alors qu'elle est interdite en métropole et dans bon nombre d'autres endroits, il est de notre ressort et de notre devoir de parler de cela parce que tout est lié. On parle de l'ultralibéralisme dérégulé, on parle de l'ultracapitalisme dérégulé qui asphyxie les uns et qui donne de l'oxygène aux autres. Et nous voulons un monde d'égalité, un monde de justice sociale, un monde dans lequel les Noirs et les autres peuples du monde, blancs, jaunes, violets, quelle que soit leur couleur, pourront marcher en égalité. Mais tant qu'il y en aura certains qui marcheront sur les dos d'autres, le monde ne pourra pas tourner en rond et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Merci. Voilà, donc... Bravo Kémy. Merci Kémy. Merci petit frère. Trop content de te voir. Merci beaucoup. 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 Enchanté, tu as quel âge? Je suis très content de te voir, ça m'aime toujours. Merci à vous. Il n'y a pas de problème, je passe. Il n'y a pas de souci. Attends, je fais juste avec les soeurs que je fais avec vous. J'espère vous voir dans le génération. Je suis très heureux de voir une petite sœur. C'est très plaisir. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi. Excellent. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, justement? Ouh là là, alors moi, par contre, qu'est-ce qu'il représente, c'est... Oh là là, j'en ai tellement des frissons dans tout le corps qui passe, parce que c'est un phénomène de société et de la cause noire, et se bat pour des sujets, qui des vrais sujets, et qui fâchent forcément. Et moi, pour mes enfants, ils savent qui il est, ils savent ce qu'il représente, et ils savent que... On a du soutien derrière pour la cause noire, pour voilà, tout ce qu'on arrête de nous piller et qu'on arrête voilà, de profiter de nous. Parce que toutes les richesses en Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que c'est le contraire et qu'on lâche, sans jamais qu'on nous donne. Quoi. Et il est temps de reprendre tout ce qu'on a et d'arrêter de donner. Voilà. Merci. Merci en tout cas. Pour moi, c'est un jour extraordinaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, pour attendre les conférences, ça va être encore.
de notre peuple. On a tous des particularismes. La Caraïbe est un particularisme précis qu'il ne faut pas nier. L'Afrique aussi, il y a des réalités particulières, mais nous sommes tous issus de la même famille. Et nous avons une histoire qui est grande, faite de douleur, faite aussi de dignité, faite de souffrance, mais faite aussi d'élévation. Et le 21e siècle doit sonner comme étant le siècle de notre résurrection. Résurrection morale, résurrection mentale, résurrection politique. Une démarche d'autodétermination sociale, culturelle, spirituelle et autre. Et nous allons aller dans cette démarche-là, puisque j'aime. Merci mon frère, c'était tes premiers mots, je sais que tu es fatigué, on aura encore l'occasion de discuter durant le séjour. Il n'y a pas de soucis, on est ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Je vais me faire un petit peu de... Faut retourner. Non, regarde. Merci beaucoup. Je vais juste faire un selfie avec toi, si tu veux. Pas de soucis. De votre visite ici en Guadeloupe. Le même que partout où nous allons dans le monde noir, c'est-à-dire parler à notre peuple, communier avec notre peuple, et parler de tout ce qui a trait au processus de souveraineté. C'est le seul processus qui vaille. Tous les peuples qui veulent se faire respecter dans le monde sont dans une logique d'autodétermination. Et donc c'est ce processus dans lequel nous sommes installés depuis un certain nombre de temps. Nous menons un combat sur le terrain au péril de nos vies, et au péril de nos libertés sur le continent africain et partout ailleurs. Nous étions en Haïti l'année dernière, et notre devoir est d'être aujourd'hui en Guadeloupe aussi. Et nous allons tenir le même discours, parler des mêmes problématiques de justice sociale, parler des inégalités qui existent ici. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans stigmatiser qui que ce soit. Il y a des minorités qui ont tout et la majorité qui n'a rien. Et c'est une problématique qui est réelle partout, qui est présente pour les noirs, pour les blancs, pour les violets, pour les jaunes, partout dans le monde. Mais il se trouve que bien souvent, lorsque l'on parle de justice sociale, notre peuple, c'est le peuple qui a le moins, et d'autres ont tout. Et donc il est nécessaire de parler de cela en toute paix, en toute quiétude, en toute intelligence, mais en toute vérité. Comme on l'a dit, on n'est pas là pour être dans la langue de bois. Nous ne sommes pas là pour caresser quiconque, dans le sens du poil. Nous sommes là pour parler pour notre peuple, parler de la dignité qu'a notre peuple. La Guadeloupe est le phare, et les Caraïbes sont le phare pour nous de la résistance de notre peuple au XXIe siècle. Parce que c'est le peuple, la partie de notre peuple qui a été le plus confronté, de la manière la plus violente, de la manière la plus dramatique, de la manière la plus inhumaine, au capitalisme le plus dérégulé. Et nous disons que la révolution de notre peuple prendra une autre ampleur à partir du moment où le feu prendra ici. Et quand je dis le feu, ce n'est pas le feu au sens forcément matériel, mais c'est le feu des consciences. Et nous allons contribuer d'une façon ou d'une autre avec nos frères et tous les résistants qui sont très nombreux ici, et les sœurs qui sont très nombreuses ici, à faire ce travail de terrain. Et je vous le dis, ce n'est qu'un début, c'est certainement pas simplement une étape, c'est une longue histoire qui est en train de se dérouler ici, tout simplement. Merci. Voilà. Merci.
acteur qui se trouve avec l'émergence. Donc nous sommes toujours en direct de l'aéroport Paul Caraïbe où le panafricaniste Kémi Séba vient d'atterrir. Il est venu pour une série de conférences, débats sur effectivement des thématiques de société qui touchent le continent africain mais qui touchent aussi les Antilles, à savoir effectivement ce capitalisme dérégulé qui sévit et qui est une de ses cibles prioritaires. Donc beaucoup de personnes étaient présentes pour l'arrivée de ce panafricaniste. Très heureux d'être ici visiblement.